Février 1948, la Tchécoslovaquie, dernier îlot de semi-liberté à l'Est, tombait à son tour sous le pouvoir direct de Staline. Pour le monde entier, le coup de Prague marque la véritable entrée de l'Europe dans la guerre froide, avec la destruction de la démocratie tchécoslovaque. Au lendemain de cet affrontement entre communistes et modérés, il semble bien, en effet, que ne subsistent que deux blocs totalement antagonistes de part et d'autre de ce véritable rideau de fer que Churchill avait déjà prophétiquement entrevu et dénoncé 2 ans plus tôt dans son célèbre discours de Fulton. Le coup de Prague est aussi un événement poignant, parce qu'à la différence de la Pologne ou de la Hongrie voisine, la démocratie n'y était pas une fragile pousse de 1945, mais un acquis de 30 ans au moins. À l'exception de la mort du ministre des Affaires étrangères, Jan Masaryk, tout juste un mois plus tard, le 10 mars 1948, il n'y a aucun mystère véritable dans cette prise de pouvoir du Parti communiste. L'énigme, si l'on doit en chercher une, réside en fait dans la nature très particulière de ce communisme tchèque qui avait fait fonctionner une authentique démocratie pendant 3 ans, de 1945 à 1948, avant de confisquer tout le pouvoir. Comment, pendant ces 3 années, une telle attitude, relativement respectueuse du pluralisme, a-t-elle été possible, alors qu'au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, communistes polonais, allemands, yougoslaves, hongrois et bien sûr soviétiques étaient déjà largement engagés dans l'établissement de régimes de contrainte, au mieux semi-dictatoriaux. Le communisme tchécoslovaque était en fait très différent, sans qu'il en soit pleinement conscient de son modèle soviétique. Quelle est la nature de ce communisme tchèque ? La société tchèque est, dès le 19e siècle, l'une des plus démocratiques d'Europe centrale. La Slovaquie, longtemps soumise au régime seigneurial hongrois, présente certaines différences, mais se trouve entraînée par la suprématie tchèque dans le même mouvement. Cette société très égalitaire, très respectueuse de la loi, et de plus en plus libre et prospère à partir du début de ce siècle, connaît aussi un mouvement ouvrier et socialiste à son image. Dans l'entre-deux-guerres, le Parti communiste s'affirme très vite comme un parti de masse qui maintient cette tradition essentiellement réformiste et républicaine. À la libération, le Parti communiste tchécoslovaque sort renforcé de l'épreuve. Sa grande popularité s'explique par plusieurs raisons. Tout d'abord, les communistes ont été courageux dans la résistance à l'occupation allemande de mars 1939 à mai 1945, la plus longue de toute l'Europe. Deuxièmement, le peuple tchèque, soumis à une germanisation féroce, s'est enthousiasmé sous la nuit du nazisme pour les exploits de l'armée rouge, pour la résistance de Varsovie et des partisans yougoslaves. Il a renforcé considérablement son identité slave. Enfin, les communistes bénéficient du traumatisme de Munich. Obsédés par la trahison de Chamberlain et de Daladier, qui ont sacrifié en 1938 le pays aux ambitions de Hitler, tchèques et slovaques se prononcent unanimement au lendemain de la libération pour l'alliance à l'Est. Pour toutes ces raisons, les élections parfaitement libres de juin 1946 apportent près de 47% au Parti communiste dans les pays tchèques et, compte tenu de la Slovaquie, beaucoup plus catholique et conservatrice, 38% à l'échelle du pays, le plus fort score enregistré en Europe par un parti communiste à la libération. Le petit parti social-démocrate, avec 14%, fait l'appoint nécessaire pour obtenir une majorité absolue des sièges pour les partis ouvriers. Les autres partis de centre-gauche et de centre-droit sont intégrés dans la coalition gouvernementale. Cette coalition, dite de démocratie populaire, donne tous les signes de la stabilité. Edouard Beneš, le chef des socialistes nationaux, sorte de radicaux socialistes tchèques, rentré de Londres, préside la République. Jan Masaryk, son ami politique le plus proche, fils du fondateur de l'État, est revenu, lui, de son exil aux États-Unis pour diriger une diplomatie fortement pro-soviétique sur le fond, mais modérée dans la forme. Les communistes dirigent l'économie, la fonction publique et la police, mais acceptent un certain partage des pouvoirs et surtout le maintien de structures politiques pluralistes. Seul un choc externe est parvenu à mettre un terme à cet équilibre quasi idyllique. Quel est ce choc ? 3 éléments viennent contrarier la poursuite de l'expérience pluraliste. Tout d'abord, à l'Est, le cas tchèque faisait pendant au cas franco-italien à l'Ouest, où des communistes, un peu moins puissants, participaient à des gouvernements dirigés par des modérés, socialistes et démocrates chrétiens. Brutalement, en mai 1947, les communistes français et italiens sont chassés, sous la pression américaine,
des gouvernements dont il faisait partie, tandis que Washington propose, avec l'aide Marshall, un véritable plan d'intégration économique du continent. Toujours conciliant, le Parti communiste tchèque, sans doute encouragé par certains modérés à Moscou, a tout d'abord accepté le plan Marshall au cours d'un vote unanime en Conseil des ministres. Furieux, Staline exige le 10 juillet 1947 que la décision du gouvernement tchécoslovaque soit immédiatement annulée. Docile, tous les partis acceptent de revenir en arrière avec la promesse d'une aide soviétique substantielle de compensation dont les assurent le président Beneš et le ministre des Affaires étrangères Jan Masaryk. Le premier coup de Prague est en fait déjà là. L'expérience originale de démocratie populaire pratiquement condamnée. La Tchécoslovaquie est encore une démocratie, certes, mais elle est déjà un protectorat soviétique de fait. Malheureusement, ce tournant est aggravé dès le mois de septembre par l'infléchissement sectaire imposé à Moscou par Andrei Jdanov, le numéro 2 fanatique du Parti communiste soviétique. Lors de la réunion de fondation du Bureau d'information des partis communistes, le Cominform en Pologne, le ton se durcit et tous les communistes réformistes français, italiens, tchécoslovaques bien entendu, sont sur la sellette. Rudolf Slansky, le numéro 2 du parti tchèque, promet alors piteusement d'intensifier le combat à Prague contre l'impérialisme et les partis bourgeois. C'est alors que le troisième ébranlement a lieu. Contre toute attente, les partis démocratiques, qui s'étaient soumis timidement au parti communiste jusqu'alors, commencent à se rebiffer. Pendant l'automne 1947, où les tensions de la guerre froide s'aiguisent, les partis modérés bloquent plusieurs projets démagogiques des communistes. Mieux, les sociodémocrates, à leur tour, confèrent la majorité aux partisans du plan Marshall dans leur propre parti et rallient le camp bourgeois. Peu à peu, partout dans ce pays profondément attaché à la démocratie, les pressions communistes commencent à entamer leur crédibilité. Le spectre d'une défaite électorale du bloc communiste et de ses alliés aux prochaines élections prévues pour le mois de mai se précise. Paradoxalement, c'est ce début de recul de l'influence communiste qui va précipiter l'établissement d'une dictature intégrale, ce que ne voulait pas initialement le Parti communiste tchèque, mais que Staline, désormais, lui impose. Staline n'a en effet désormais plus grand-chose à perdre. À Berlin, il est bafoué par le pont aérien américain qui annule ses mesures de blocus. En Yougoslavie, ce que tout le monde ignore encore, Tito lui tient la dragée haute et refuse son autorité. Les communistes polonais, hongrois, roumains règnent par la contrainte et l'intimidation sur des majorités largement hostiles. La guerre fait rage entre communistes et anticommunistes en Grèce. Tout nouveau recul de l'Union soviétique pourrait donner le signal de la débandade alors que les Américains disposent encore du monopole nucléaire. Staline ne peut donc pas perdre à Prague. Désormais, la crise est lancée, elle ira jusqu'au bout. En quoi consiste le coup de Prague? Prenant le prétexte d'un problème syndical, l'augmentation des salaires des fonctionnaires, les communistes essaient d'imposer leur volonté aux autres partis. Les ministres non communistes démissionnent alors en bloc du gouvernement, à l'exception du fidèle mais dépressif Jan Masaryk. Leur espoir est de provoquer des élections anticipées qui pourraient tourner à la défaite des communistes. C'est l'occasion que le parti attendait en fait pour mobiliser ses troupes nombreuses à l'appel des syndicats dirigés par le populaire Antonín Zapotocký et des anciens résistants pragois dirigés par le sympathique Joseph Smurkovski qui aura tout le temps, le reste de sa vie, de se repentir de son exploit de 1948. La tactique suivie est celle de la marche sur Rome de Mussolini en 1922, mais dans une atmosphère hivernale, prolétarienne et parfois presque bon enfant. Des milices ouvrières convergent de tout le pays sur Prague, molestant les opposants, sans cruauté excessive, tandis que l'armée et la police demeurent spectatrices passives. Un nouveau gouvernement des communistes et de leurs sympathisants les plus proches est constitué sous la pression de la rue par le président Beneš. Masaryk y demeure aux affaires étrangères. Pourtant, trois semaines plus tard, Jan Masaryk meurt après s'être jeté de la fenêtre de son appartement de fonction. Le coup monté est bien possible, car Masaryk, très déprimé, envisageait de démissionner ou peut-être de fuir en Occident. Son utilité pour Staline n'était plus tout à fait la même. En revanche, c'est plus naturellement qu'un Edouard Beneš, effondré au comble du désespoir, le rejoint dans la tombe trois mois plus tard. Il est remplacé à la tête de la République par le chef communiste Klement Gottwald. Le rideau est tombé,
Le pays du brave soldat Schweik va maintenant rentrer dans l'intrigue d'un roman de Dostoïevski. Car ce n'est pas parce que les communistes tchécoslovaques sont maintenant prêts à exercer la dictature que Staline leur fait vraiment confiance. La révolution ne tardera pas, comme à Moscou autrefois, à manger ses propres enfants. Il reste que pour la première et dernière fois dans l'histoire, une dictature communiste s'est imposée dans un pays où ne se trouvait pas un seul soldat soviétique sans qu'un seul coup de feu n'ait été tiré. Le parallèle avec la destruction non sanglante de la première république tchécoslovaque par Hitler en 1938-39 est frappant. Tchèques et Slovaques plongent alors dans un long cauchemar dont les communistes ne seront pas les dernières victimes. Slansky, le secrétaire général du parti, sera pendu en 1952. Kuzak et Novomeski, les chefs du parti en Slovaquie, arrêtés et torturés avant de revenir sur le devant de la scène. Clementis, le nouveau ministre des Affaires étrangères, lui aussi sera dénoncé et assassiné légalement. Zapotocki lui-même, nouveau chef du gouvernement, mourra en quasi-disgrâce dans les années 50. Le communisme tchèque ne perd pas pour autant totalement ses aspirations démocratiques, aussi vieilles que la nation. En 1968, le printemps de Prague exprimera pendant 6 mois extraordinaires la véritable culture démocratique, socialiste et humaniste de la génération résistante de 1945, celle d'Alexandre Dubček et d'Arthur London, héros de la guerre d'Espagne et survivant des camps nazis comme des procès staliniens, à l'image de sa nation. Il est alors, hélas, bien tard dans le siècle.